apprendre autrement. Voir un manga qui parle d'agriculture vous surprend peut-être, mais ce n'est certainement pas le thème le plus étrange abordé dans les mangas. Au Japon, on parle de tout, mais vraiment de tout. On peut parler de vin, de musique... Parler de musique sur du papier, ça vous dérange pas. Mais on trouve des mangas sur Karl Marx, Guerre et Paix, Stendhal ou même Jésus. On ne parle pas du manga Les Vacances de Jésus et Bouddha, mais bel et bien du manga qui parle des vraies aventures de Jésus. Jésus revient parmi les siens. Ah bah qui y retourne. Et attention, point Godwin, il y a eu un manga sur le livre Mein Kampf de Hitler. Oui. Une adaptation sur Hitler. Wow! Une adaptation sur Hitler! Il faut savoir que Hitler n'est pas vu de la même façon au Japon. Pour eux, il s'agit plutôt d'un chef de guerre dans un pays lointain, et Mein Kampf est une œuvre littéraire comme une autre. C'est une autre culture. Enfin bref, il y a plein de mangas avec des thèmes what the fuck. Enfin, je suis sûr qu'il y a même un manga sur la couture. Trouvez, ça s'appelle... Oh putain, ça s'appelle Artelier, et c'est un manga de couture et de baston. Oh mon dieu, mon imagination s'enflamme. Oh putain, mec, il est ultra balèze ce monstre. Ramène-toi vite. Deux secondes, je termine mon...